Deux ados avec vous, Christiane Arelli, et des réponses du tac au tac. Une mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Je me ronge les ongles. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Je pense que c'est aller dîner au restaurant. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dépressive? Je suis rarement dépressive, je peux avoir le cafard. En général, je reste jamais seule. Votre remède contre la folie? Le rire. Le deuil dont vous ne vous remettrez jamais? Je pense que c'est celui de mon père. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal? Je pense que, adolescente, j'ai dû voler des rouges à lèvres. Quel est le comble du snobisme? Le snobisme intellectuel. Le super pouvoir que vous aimeriez avoir? Super pouvoir, je pense que c'est de garder la santé à vitam aeternam, au fait. Immortel. Immortel, ouais. Avez-vous été déjà attiré par une femme? Non. Vous arrive-t-il de mentir sur votre âge? Ça m'est arrivé pendant des années. Et maintenant, c'est plus possible. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse dans la vie? 8. Mal. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? Une maltraitance sur un enfant. Est-ce que pour vous, la fidélité est nécessairement physique? Oui. Est-ce que vous pourriez avoir une idylle avec un homme beaucoup plus jeune que vous? Je dirais jamais, jamais. Mais c'est pas mon truc. As-tu l'amour rédhibitoire? Je pense qu'une odeur de parfum qu'on déteste, ou des chaussettes avec des tongs. Ouh, élégant. Chez quelle personnalité vous aimeriez entrer en catimini? Mon côté people, le divorce de Brad et d'Angelina. Comprendre. Essayer de comprendre, savoir ce qui s'est passé, pourquoi, avec tous ces enfants-là, voilà. Petite souris qui regarde comment ça se passe, tout ça, mais... C'est plus le côté people. Allez, mon côté people. Et une chanson qui vous rend joyeuse? Vai Vadiar de Zeca Pagodinho. Ne serait-ce pas brésilien, ça? Si.